Oh là là! Devinez pourquoi on est de retour aujourd'hui sur ce stream qui n'a pas lieu pendant 2 semaines parce que ça n'allait pas comme je voulais, etc. On va jouer à Pokémon aujourd'hui. C'est écrit dans le titre juste en haut, je crois. Qui est par là. Et on va jouer à Pokémon version Emerald. Ça fait 4 semaines, je crois. 3-4 semaines que j'y ai pas joué. Du coup, je sais même plus où j'en suis. Ça va être génial. Du coup, on remercie Mr. Feed. Mr. Feed qui a suivi la chaîne juste avant que ça commence. Du coup, j'ai pu le voir. Je vais le voir du coup en off et du coup merci à toi. Voilà, donc on va jouer à Pokémon. Voilà le petit jeu qui est là, ce petit jeu là. Donc, ah, mais c'est hyper fort dans le casque. Alors que vous sachiez, oh yes, que vous sachiez en fait, je ne sais même plus où j'en suis. Hein. Et l'overlay, j'ai pas pu le changer pour le moment. Et du coup, il se restera comme ça. Voilà, donc on s'est arrêté à côté de ce charmant monsieur. Ce charmant monsieur qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, comment tu t'appelles mon jeune ami? On m'appelle Minet, ah oui, vraiment Minet, Bernard, Minet, tout ça, vraiment là. De rien, mais je veux l'argent. Non, en fait, l'argent, tu me le donnes à moi. Salut Overlord Davy, comment ça va? Comment ça va alors que c'est vu tout à l'heure, c'est rigolo. Voilà, ça se passe ou quoi? Ça se passe bien, ça se passe bien, on a perdu sur LoL. Voilà, donc il nous faut Éclatroc, si je me souviens, parce qu'on vient de battre le troisième champion d'arène. Il me semble que c'est on vient il y a 3 semaines. Wow, les gens m'appellent le type Éclatroc, mais je n'aime pas trop ça, je crois que je mérite un surnom plus flatteur comme le mec Éclatroc, le mec. Wesh cousin, salut élémentaire, tranquillement. Bienvenue à toi. Élémentaire, le top donateur, ce qui m'a passé 10 balles. Voilà. Les 10 balles iront dans un fond vert, enfin. Le fond vert coûte 20 balles. Mais en tout cas, les 10 balles iront pour le fond vert. Il me manque juste 10 balles, 10 autres euros. Hein, des euros, pas des balles, des euros, des francs, tout ce que vous voulez. Pour un fond vert que je placerai ici derrière moi, j'essaierai d'éclairer avec ce que je pourrais. Ce sera, je prends des overlays un peu plus clean parce que c'est un peu crade et tout. T'es tout. Et oui, top donator. Alors on a reçu avec la troc. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire. Attendez, est-ce que j'ai le vélo? C'est quelle touche? Merde. Attendez. Stream dégueulasse. Il me faut la touche. C'est mâche gauche. C'est shift. Merde. P. Lève curseur. Ok. J'appelle Isis. Ah oui, alors ma barbe, c'est un peu l'enfer. En fait, j'ai pas de rasoir électrique chez moi, du coup, faut que j'attende de pouvoir rentrer chez moi. Parce que oui, ça devient un peu l'enfer. La soirée des 100K de temps avec 200 euros de cadeaux à gagner. Pourquoi je suis ici? Parce que c'est mieux, justement. Est-ce que j'ai le vélo? Attendez. En train de me perturber et tout, donc c'est pas sympa. Oh yes, je l'ai. Ah non, c'est pour changer de place. Enregistrer, voilà. Ça va pouvoir courir vite. Courir. Alors, est-ce que je suis déjà allé sur cette route? Oui. Je traîne ici, non? Ouais. Donc, avec Éclatroc, ce qu'on va faire, c'est pouvoir aller dans ce petit tunnel. Ah, mais il me faut un Pokémon avec Éclatroc. Enfin, qui puisse avoir Éclatroc. Topiqueur parfait, le meilleur. J'en suis, mais en tout cas j'ai envie de faire ça parce que c'est gentil. Ou 2000, je sais plus. Ils ont trop de thunes. Et donnez-moi la thune à moi, pas à eux. Voilà, LM lui il a fait le bon choix, tu vois. Ah, pourquoi il peut pas prendre Éclatroc, putain. 4 capacités, Éclatroc, oui. C'était bien que je fais. En vrai, rugissement, c'est un peu de la merde. Alors. Aussi, donc il y a le jeu Pokémon Evolution, je crois. Je sais plus son nom complet, mais c'est Pokémon Evolution qui est un Pokémon en ligne. Pas Pokémon, mais Pokémon Evolution qui est autre chose encore. Qui est en ligne avec 32 badges et tout. Du coup, je me demandais, est-ce que vous voudriez que je remplace ce stream-là de Pokémon Emerald Random? Parce qu'on a vu le principe et tout, ça s'est limité. Et je pense que c'est pas le meilleur truc, en fait. Par des streams sur Pokémon Evolution, vous pouvez jouer en même temps que moi. Ça clasherait du ça cracherait du feu, non? Du coup, je vous le demande. Vous me dites. Révolution Online, voilà, pro. Voilà, c'est un jeu de pro et tout. Alors, qu'est-ce qu'il va nous lancer? Un petit Ramolos? Hé, il veut, et oui. Je fais des streams en duo avec DFG, c'est ce qui est bien. Parce que je crois qu'il joue en plus au jeu. Vous allez voir. Oh, ce serait trop bien, mec! Avec Guil Takemizu TV!
Mais faudrait que je me refasse un compte parce que l'autre je suis pas avancé et que je joue pas beaucoup. Ce qui serait chiant, c'est que je jouerais genre deux fois par semaine et que le jeu est déjà assez dur comme ça, quoi. Mais bon, on verra bien. Je pense que ça pourrait se faire. Donc, si ça trouve, ce soir, ce sont les dernières VOD de Pokémon Emerald Random. On verra bien. Juste, en fait, c'est juste histoire de... En fait, Pokémon Emerald Random, c'est plus pour streamer en même temps que vous parlez. En fait, c'est un jeu où j'ai pas besoin de forcément regarder l'écran, vous voyez. Ça va. Une fois un fond vert, ce serait trop bien, un fond vert. Imaginez, mec. Imaginez les mecs, pas mec. Et quand toi, il faisait des animations. Sous Nutrayer Tour Pro, c'est bon ça. Et oui, remonte par un tel ladder, les gars. Je vais faire de la pub. Oh, t'as écrit hop. Tu vas faire sur le mauvais forum. Ah, il vole ? Ah non, il évite pas, c'est cool. J'ai pensé juste avant, enfin, juste après avoir fait l'attaque. Du coup, ce serait une bonne chose. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de dépenser un centime de ma thune, de mon prix étudiant. Putain, crap, quoi, le mec, c'est un beau gosse, quoi. Il y a un vrai ladder. Mais oui, ce serait trop drôle, vous les... Merci. Putain, j'ai pas vu le message. Je le verrai en VOD, désolé. C'était genre, tu t'en souviens, ou un truc comme ça. Merci, Mr. Fit, pour les 20 balles. Le fond vert est financé, les gars. Ça claque de ouf. Alors, si vous le savez pas, Mr. Fit, je connais IRL, en fait, et en gros, je lui dois à peu près ma vie. C'est-à-dire, je lui dois à peu près 300 balles de McDonald's, en fait. C'est quoi cette musique? Cette musique, c'est... Je l'ai mis pour les dons. Donc, Mr. Fit, je lui dois à peu près 300 balles de kebab. De nourriture le midi, hein, qu'on mangeait. Et voilà, il balance 20 balles. Donc, merci, Mr. Fit. Je t'en suis très reconnaissant. Je viendrai te sucer agréablement le zob quand je n'aurai pas cours. Voilà. Merci. Bon, je dis merci tout le temps, mais vous avez compris, quoi. Merci. Le fond vert est financé, les gars. Ça claque. Donc je te mettrai en top donateur durant la pub. Le bon craque-noix. Ce mec, il a un craque-noix, quand même. Genre, c'est un mec qui est vénère. Parce que l'Ibégon, c'est un des meilleurs Pokémon du jeu. Que je considère comme meilleur. Ah, mais il y a Forum Pokémon Révolution Online sur JVC, c'est chaud. Les mecs, est-ce qu'ils sont vénères, les mecs? Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour le fond vert. Mais oui, non, mais là, il est financé, genre. Il a financé en un coup, tu vois, genre. Ça, c'est... Après le stream, j'irai le commander. Et oui, là je suis content. Merci, Mr. Feed. Là je suis content. Je vais le dire mille fois, en fait. Parce qu'il y a des gens, genre, ils reçoivent de l'argent sur leur stream. Et genre, en fait, ils disent merci une fois, ils sont contents, tu vois. Moi je connais le vrai. Avec ma barbe, je connais le vrai. La vraie valeur de l'argent. J'en ai pas beaucoup. Et du coup, ça fait plaisir. 20 balles, sans déconner. C'est beaucoup 20 balles. Oh putain, c'est niveau 6. Je suis con. Et du coup, je suis assez cool. Les perdouilles augmentent lentement, ce bâtard. Connais la misère, oui. Alors là, il y a deux rochers qui bloquent les amoureux. Donc un karatéka, enfin, parce qu'il a un bandeau. Je pense pas que tous les portugais maçons aient des bandeaux. Veut rejoindre sa donzelle, et du coup, nous va péter le rocher. Coup de boule dans le rocher, les gars. Donc, pour savoir, on est parti jusqu'à 20h à peu près. Donc, on fera une pause à 19h. On est parti jusqu'à 20h et après, je verrai tout. Mais je pense que après, enfin, en 2016, donc, dans 2-3 semaines, le stream va un peu s'améliorer, je pense. Notamment, je pense que j'essaie de stream plus souvent, on verra bien. Arrêtez ! Arrêtez ! Merci à LM qui me balance 10 balles. Et boum, ça va être la baston de l'argent. Et qui vont... J'ai déjà vu un gif où c'était Batman et Iron Man, ils mettaient des claques avec des billets comme ça. J'ai l'impression que ça fait exactement la même chose. T'as pas choisi la Hesse, c'est la Hesse qui t'a choisi. Voilà, je vois LM et Mr. Fit qui se mettent des claques avec des billets comme ça, c'est trop drôle. Voilà. Bon bah merci LM en tout cas, c'est cool. Donc je te ferai un petit bisou tout à l'heure en revenant sur le Discord. Et quoi la baise. Voilà.
Donc, maintenant, on va retourner. Donc, c'était une quête annexe hein, qui ne servait pas à grand chose, mais qui nous débloque le chemin pour Mérouville. C'est cool. On n'est plus obligé de refaire le tour par la mer, ça, c'est sympa. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller au nord. Oui, au nord, c'était les corons. Oh, le combat double. C'est mon genre de Pokémon préféré, sachant que t'es en random, t'as un peu n'importe quoi. Montre-moi comment tu mets un peu de piment dans ma vie. Pourquoi tu mets un peu de. Dans ma ch. Voilà. Donc voilà, le. Alors attends, j'ai mon curseur. Alors regardez. Le scout. Ouais. Ouais. Sympa, hein. Bref. Campeur Jean et un Romain Céline, Amid. Mais qui lance. Salut, j'ai un petit mini dragon. Et Quillfish. Ah oui, c'est son nom en français, c'est Quillfish. On va pas trouver de nom dans. On n'a pas pu le franciser quoi. Très bien. Papillusion, mon pote. Les morsures. Voilà, donc je pense que c'est les deux dernières, parce que je parle pour les VOD. Les deux dernières heures, donc les deux dernières vidéos de Pokémon Emerald seront les dernières. Après le live, viens boire une bière à l'appart. Mais j'ai cours demain. Et c'est loin. Enfin, c'est loin. Il y a beaucoup de temps. Tu fais des ségueules. En plus, je sais pas, enfin. Je sais pas si ça se joue. Demain, je me lève. Mais j'ai pas grand chose à faire. J'ai pas pris ma douche. Pas propre. Je suis pas propre. Alors en fait, le mec il me balance 20 balles et il m'invite encore, tu sais. Genre. Je suis ton mécène. Ouais, ça tremble, ok. Faut que j'évite d'appuyer sur mon bureau. En fait, vous êtes mes mécènes, voilà. Je suis dans le mécénat, c'est bien. Bravo. Le mécène, en fait, c'est pour les gens qui ne savent pas la culture française. C'est les gens qui abritaient, qui hostaient les artistes durant la Renaissance, tout ça. Les époques un peu bourgeoises. J'ai des coronas, ok, j'arrive. Je vais essayer de venir. Alors, je finis à 20h, donc j'essaie de venir quand même. Ah, le bon combat. Ça se tente. Allez, pour vous. Allez, ça se tente. Pas mal. Ah, dans deux types plantes. Moi j'ai dit oh, mais ils vont me défoncer. Et en plus, c'est des starters, les mecs ils sont chauds quoi. J'ai tout balancé sur Gérémignon déjà. Parce que j'ai pas confiance en Gérémignon. J'ai tellement pas confiance en lui. Avec sa petite tête là, regardez. Regardez-moi ces petites bouches là, dégueulasses. Ces petits yeux là, en mode gna gna gna, je vais te niquer. Hein. Pour lui montrer c'est qui le vrai homme. Le vrai homme à barbe. Voilà. Aïe. Ils font chier ces Pokémon. Ils en ont pas d'autres. Ça va en fait. Ça passe crème. Crème. Pique-nique Bianca, saltamanque Jerry. Ah oui, c'est un saltou, putain, j'ai. Oulala. Nitrico. Oh, salut Nitrico, comment ça va? Alors, je sais que t'habites dans la même ville, mais je ne pourrais pas passer chez toi ce soir. Hein, si tu me le proposes, c'est un peu loin quand même. Hein, voilà. Ça fait toujours plaisir que tu sois là. Longtemps que j'ai plus de nouvelles, parce qu'on ne s'écrit pas beaucoup. Je gratte l'oreille, je suis un gros pas. Stratège, mais 4 combats à la suite, c'est trop. Allez, maison stratège, la famille stratège. Alors en fait, c'est 4 combats à la suite, c'est une mini league Pokémon en fait. Ça, j'ai trouvé trop cool en fait quand il jouait. En fait, c'est les 4 membres d'une famille qui te combattent à la suite, ça fait une mini league Pokémon. On va l'essayer, on va se faire la famille stratège là, les gars. Yo, Jean Babybel. Jean Babybel, ce serait trop bien comme nom en vrai.
peut-être, et oui. Faudrait genre je sais pas si je ferai une vidéo comment ça s'appelle, une vidéo annonce pour Pokémon Revolution Online. Faudrait que je prépare un truc assez élaboré, ce serait pas mal. Ah ouais, il y a une tour de combat ici, c'était trop bien, la version du monde était trop bien. J'ai tellement kiffé. Les petits yeux, c'est rigolo. Nya, nya, nya. Le rire jaune. Antoine, oui, c'est moi. Putain, c'est moi plus tard, regarde. On voit pas, mais en fait, mes cheveux commencent à se barrer. Enfin, genre, ils sont beaucoup moins épais, tu les trouves. Oh, je veux des Twix. C'était quoi, on dirait que tu as explosé. Alors, c'est moi plus tard, enfin. Là, ça se voit un peu sur la caméra, mais genre, quand je penche la tête, en fait, ça se voit un peu que mes cheveux se barrent, en fait. Faites des dons pour empêcher la calvitie, non. Allez, allez, on va vous défoncer, là. Ah, il est content, il est avec son gosse. Stratège Victor avec un petit Medikita niveau... Ah ouais, mais ils sont pas hyper haut level, en fait, justement, pour qu'on puisse les faire comme les 4 ensuite. La mini-league Pokémon... Ah. Et dans le lore... Je crois que dans le lore du jeu, donc on a la famille Stratège, et le dernier fils, Damien, en fait, est lui à la ligue Pokémon. Calvitie, rare pépé. Rare pépé. Faudrait qu'on se fasse un truc Nitrico un jour. Parce que ça fait longtemps qu'on le dit, qu'on le fait, mais on l'a jamais fait. J'aimerais qu'on le fasse une fois. Le 2. Alors, je sais pas si vous avez vu. Mais j'ai ça aussi. Alors, attendez, j'aimerais vite tout péter. J'ai un microphone, alors, avec un filtre anti-pop. Hein, parce que j'ai envie de professionnaliser un peu le bordel. Sauf qu'il me manque le câble, en fait. Le câble qui risque d'arriver. J'ai mis 15 balances de balles, merci. Je fais un don pour empêcher la calvitie. Oh yes. Regardez, ça c'est une équipe de chercheurs, les gars. Putain, les médecins, ils font pas des oui, molécules, machin, non. Eux, ils balancent la thune, tu vois. En tout cas, merci, Sham. Ces 2 euros ne sont pas utilisés pour faire des conneries. Et c'est vrai. Je le jure. Je suis loin. Oh là, j'ai un micro avec un filtre anti-pop, donc le son sera quand même bien. C'est un micro. On dirait pas comme ça, mais il est hyper cheap. Enfin, il coûte pas cher. Mais il a de bonne qualité dans mes souvenirs, ce que je disais une fois au chalet, lol. J'ai pas vu ce qu'il lançait. Il balance des mèmes à l'infini. Donc il manque le câble qui risque d'arriver peut-être ce week-end. J'aurai peut-être ce week-end le câble. En rentrant de chez mes parents, et du coup, peut-être que peut-être que la semaine prochaine, j'aurai un meilleur micro. Ça, ça claque. Et ça, c'est ma thune, par contre. Voilà. En plus, je voulais m'en servir pour faire d'autres choses, le micro, voilà, mais... oh, comme ça, donc voilà. Bien sûr que non, je voulais pas me le mettre dans le cul. Ah ah ah. Parce que j'ai un petit synthétiseur et tout, j'ai envie de faire un peu des streams musicaux, essayer des trucs. Et c'est dans mon droit de m'amuser. Alors, par contre, là, j'ai le dos pété, hein, peut-être que je me remette bien. Qu'est-ce que je peux te dire contre ce truc? Ah, ces deux-là me servent à rien. Perdou, il a l'air pas mal, il a l'air un peu zé. On va l'utiliser, un peu. En tout cas, merci, hein. La recherche contre la calvitie pour que je ne me transforme pas en Voltaroid. C'est chaud pour ce meet-up en ce moment, taquet, j'aime exact. Ah oui, c'est vrai, mais t'as des partiels, des trucs comme ça, lui, ça doit être chaud. Ouais, je m'en doute. Mais t'inquiète. Genre un week-end ou quoi. L'élévateur qui carie son émeraude comme sur pro. Ah, il est aussi fort. Il est autant fort sur le genre libre. C'est rigolo. Petit déviateur. Et tout le monde se... on me donne où je capture l'éviator et tout le monde se bat pour le nom. Ah, ce serait... Ah, je vois déjà. Ah, ça va être bien, ça. Ça va être bien. Ça va être tout bien. J'ai trouvé un dresseur très fort. Et oui, c'est moi. Au ciel, tu es jeune, tu dois pourtant bien être un vrai dresseur pour avoir battu mon mari. J'ai eu du mal, hein, dyslexie, tout ça. À mon tour de combattre maintenant. Maintenant. Oui, à mon tour de combattre. C'est le doublage. Ah, il en a qu'une. Alors, il y a un Draco, là. Je sens pas la race. Il est autant fort. Il est autant fort.
Alors toi, qui es en études de médecine, je crois, Nitrico, est-ce que tu pourrais m'avoir des petits... Ah putain, il fait pas le point. Des petites Doliprane gratuitement, ce serait fort sympathique, parce que j'en mange des milliards par jour. Voilà. Enfin, par jour, surtout le soir. Lol. Mais lui, il est endormi, il va être endormi pendant les 4 combats, fait chier. Je peux pas changer l'ordre. Pas grave. C'est de la merde, par contre il est en pleurs, j'ai oublié qu'on pleure ça. Voilà. Ça fait des éclairs et tout mec. Je fais trembler le sol mais ça fait des éclairs et tout tellement c'est vénère. On gagne, ça c'est bien. Oui mais il m'en reste qu'en suppositoire. Ah, si c'est toi qui me l'aimais ça va alors. C'est plutôt cool. Oui bravo. Puis je me fais de mastune en fait sur cette famille, je les ruine en fait. Chérie c'est le fisc. T'as mis un niveau que maman, waouh, mais moi aussi je suis forte. Ouais, ouais, ouais. Meilleur smiley. Stratège Vivi. Non, c'est un hoot hoot. Hoot hoot, the fucking hoot hoot. On a un ami sur le Discord qui est anglais et qui parle en anglais et qui a trouvé un hoot hoot. Et que c'était rigolo parce qu'il disait le fucking hoot hoot. Avec un accent rigolo. C'était rigolo. Voilà. D'ailleurs, je me demande si s'il serait d'accord pour stream avec nous. Oh, ce serait trop bien. Ça ramènerait des gens anglais. Oh, ce serait trop cool. Oh, j'ai mis 15, balance 3 balles, c'est... Je vais trouver la VOD, je vais lui faire un screen. En tout cas, merci. J'ai cru que le hoot-hoot était shiny. Et non, c'est juste les images, enfin les couleurs sur ce jeu sont un peu crades. Genre le mini Draco était un peu violet alors qu'en fait il était pas shiny du tout quoi. Bon, j'ai pas changé, j'ai même pas vu ce qui est lancé mais je m'en fous en fait. Parce que les nocs ça va. Voilà, donc les gros dons à Moketo. Ah, voilà. Moketo il stream du Xenoblade X, ça me fait trop chier, j'ai trop envie d'y jouer. Mais j'ai trop envie d'y jouer de malade mais j'ai pas la Wii U, j'ai même pas la Wii U les gars. Là, si je le joue, j'ai trop envie de le streamer, mais vous imaginez trop pas, et du coup, il me faut une carte de capture qui coûte 80 balles, et ça, c'est pas drôle. Ah, Evoli. Ah, le jeu de malade, quoi. T'as des robots géants et tout, mais j'ai trop envie d'y jouer. Vous imaginez pas, les gars. Il reste un HP, c'est sérieux. Oh, perdu le best. Alors attendez, juste vérifier si Mister Fit est toujours là, parce que je me pose une question. Comment on fait pour les gens? Ah, mais c'est ce truc-là, mais je me trompe toujours. Ah ouais, alors... Mister Fit, si je passe chez toi, est-ce qu'on mange chez toi? Parce que... Bon, j'ai une carte, on peut aller manger un truc et tout. Donc j'étais avec le premier Xenoblade, je ne sais pas. Ah ok, c'est cool, parce que du coup je risque de rentrer tard et tout, voilà. Je peux payer ma bouffe hein, cette fois-ci, t'inquiète. Je ne sais pas si une continuité avec le premier Xenoblade, je crois pas. Même si dans le trailer du jeu, on voyait Shulk en fait. Du coup, c'est bizarre. Mais sachant que j'ai pas le jeu, je peux pas te dire. Mais je pense que tu peux y jouer même sans avoir joué à Xenoblade en fait. Wish Kebab ou Quick. Ah, Kebab, mec, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, frère. Ouais, j'ai de l'argent. Enfin, c'est ma banque a de l'argent qu'elle me prête, hein. Voilà, c'est pas... Je suis pas Crésus. Non, c'est une autre histoire. Ok. Ah, mais t'as Xenoblade Chum ou pas? Parce que tu me l'as pas dit, sinon. Il est donc d'une valeur de 45€. Mais j'avoue. Mais j'avoue, les gars, mais vous êtes... En vrai, c'est trop de thunes, en vrai, genre... C'est dire... C'est des expressions des années 50. Mais j'avoue. Vous faites trop plaisir. Même vous, déjà, rien qu'être là, vous faites plaisir parce que vous me parlez et tout. Et c'est cool. C'est cool. Alors je suis content de vous voir, genre. Ça fait 35 balles en 20 minutes avec 5 viewers, ce sera quoi plus tard? Ce sera en l'argent. Après, ce sera en convention et tout. Waouh, les t-shirts à Kim. Bon, là, j'ai un t-shirt du mec trop vénère qui s'appelle Lilian Renault. En fait, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un de très bien. Voilà.
gagnant de The Voice, qui habitait en face de chez moi, qui est très très gentil. Peur pas, TP, c'est gênant. Tu sais, comme les meufs qui stream et qui chient quand elles reçoivent 30 balles. Oh, ouais. Ah, mais pas à ce point, genre, calme-toi. Je sais pas montrer mes beaux pecs, tu vois. On reste amis, hein. Mais oui, on reste amis. Ah, je les ai tous niqués. Chez. Voilà. Là, il faut un conseil de famille pour savoir. Mais qui c'est qui m'ont expulsé, genre. Bon, mémé, tu fais chier quand même de le chier dessus. Enfin, peut-être que t'ailles en maison et tout. Vous remarquerez que le robinet ressemble à une bite. Hein. Voilà. Donc, on va aller soigner ces Pokémon parce que le Papillusion qui est endormi me fait chier, mais j'aimerais bien l'avoir en leader. Quoi. Oh, le Gazo, j'ai envie de l'ouvrir, mais je sais pas si je dois. Alors, je l'ouvre quand même parce que je suis sympa. Ah, merci. J'aurais même pas besoin de faire un screen. Oh mon gars, tu me fais trop plaisir. Attends, juste copier le lien. Oh, merci, mec. Dans le mode, tiens, il y a un gars qui a un Sulfura. Dans la tour. En tout cas, merci à Nitrico. Hein, comme ça, j'aurais besoin de le rechercher. Dans la tour. Alors, dans la tour, je sais qu'ils ont des Poké. Ah, attends. J'ai pas envie de faire la tour. Quoique. Je peux vous montrer, je peux. C'est... Ah, c'est... Non, mais ce sont déjà des trucs random en plus, je crois, dans la tour, c'est pas drôle. Faisant un peu des prédéfinis random en même temps. Je sais pas si je vous montre la tour. Je sais plus à quoi le ressemble, si c'est juste des combats ou si c'est un peu une aventure. Parce que j'ai aussi un peu envie d'avancer. Non, quoique, j'ai quand même pas mal avancé en vidéo, du coup, je peux vous montrer la tour. Ouais, je vais vous montrer la tour, je vais faire ça. Ça manque de mode de vie. Alors, pour. Qui spam. Alors. Pour finir la ligue, je pense. Alors, je pense pas qu'ils ont un truc trop vénère dès le départ, mais on peut courir dans les bâtiments déjà. Avant que ce ne soit pas un bâtiment. Je pense pas qu'ils considèrent ça comme un bâtiment. Et là, pour le moment, j'ai pas besoin de modo. Vous êtes 5, hein, les gars, calmez-vous. J'ai pas 3000 personnes à gérer en même temps, genre, ça va. Des bons spams. Ils font de l'art et tout. Ça demandera sur vous des contre plein de dresses, malheureusement on a plein. Ah ok, bah il prépare donc après la ligue je pense. En tout cas je me rappelle pas, mais cette petite tour était cool. Elle était vraiment cool, ça s'étire un peu. Non, c'est pas... Cette petite tour était cool, je me rappelle. C'est un petit défi. C'est vraiment ces petits endroits dans Pokémon que j'aimais bien à l'époque, mais quand j'ai... Dieu spam. 5, c'est presque un groupe en prépa, c'est dangereux. J'ai jamais fait de prépa, enfin je connais pas trop la prépa du coup. Pas proposer Pokémon, ça pourrait devenir plus dur pas. Ah oui, ok. Les bons spam. En fait, c'est cool ce que vous spammez les trucs. Du coup, j'ai l'impression que c'est vivant et tout. J'ai un trépied derrière moi aussi. Du coup, on verra bien. Enfin, c'est un... Alors, ça, c'est un combat de jeu avec un caméraman et trader caméra dans LOL. C'est un STMG dans la même pièce. Donc, en gros, eux. Pokémon numéro 8, il y a un Montaner qui a un Sulfura, mais il m'a traumatisé. Et non, avec un Ronflex, mec, il est trop infâme. Le 5-6, c'est mieux, ouais, j'avoue. Donc, eux, en gros, tu les combats, et à la fin, ils disent ouais, vous pouvez dire un mot à nos téléspectateurs sur la victoire et tout, et tu leur dis, et en gros, quand t'as une base secrète dans le jeu, t'as. Putain, c'est exprès, c'est. Trader Cameron. En gros, quand vous avez une base secrète, il y a une copie de votre perso et son équipe qui est faite. Comme ça, quand il y a un mec qui a visité votre base, il peut combattre l'équipe que vous aviez quand vous avez enregistré votre base. Et du coup, après, il va redire les phrases que vous avez dit. Enfin, c'est... Je trouve ça assez stylé. Et il y a une grande zone dans le jeu. Les gens ici n'ont jamais joué à Emeraude. On sait rien. Et on s'en fout. Enfin, genre, c'est pas la mort non plus, tu vois. C'est un gros jeu. Je trouve Emeraude, c'est vraiment un putain de jeu. Je crois que c'est un de mes jeux Pokémon préférés. Genre, les bases secrètes, c'est tellement un truc de malade. C'est... Je trouve ça trop bien, en vrai. Le housing, mon gars. Wildstar n'a rien inventé. Enfin même les trucs avant le Wildstar, genre Pokémon a tout inventé, même le housing. J'ai pas vu ce qu'il a envoyé, je m'en fous. Ouh. Marc à craint ça. Qui n'a jamais joué à mon nom. Je trouve des jeux à vous streamer qui sont intéressants. Parce que j'ai Emeraude, ok. Après j'ai un Pokémon Evolution. Ok. League of Legends, je pense pas que ça vous intéresse. Foncé. All Star, hein, je... Oui, il a bidé et ça, c'est un peu chiant quoi. J'aurais... C'est un peu chiant qu'il ait bidé parce qu'il avait l'air cool. Je suis parti de l'élite qui sait où se trouve l'île au Rondoudou. L'île au Rondoudou. Je vois pas où elle est.
Mais dans Emerald, moi je suis parti de l'élite qui sait où il y a une île avec plein d'endroits pour faire des bases secrètes, avec des dresseurs qui ont des Ariyama et tout, mon gars. Donc je te montre où c'est sur la carte. Carte de Owen. Alors en gros, tu vas ici, sur la route au nord de Meruville, et t'as un plan d'eau, et tu vas tout en haut, mon gars, et t'as une île avec... Ok. Non, putain, je vais pas faire cette touche. Et du coup, t'as un endroit avec plein de bases secrètes, et on avait fait plein de bases secrètes avec mes potes dans cet endroit, c'était trop bien. Il n'y pas eu, ok. Au nord du site Météorola, sortie sud. Voilà, bah c'est ça. Bah c'est cet endroit-là, ok. Oh, le bâtard, il a l'off-disc. L'off-disc, le Pokémon, plutôt cool. Donc vous le capturez, ce Pokémon, et vous allez voir dans votre PC, enfin, l'objet qui tient, et il peut avoir des écailles-cœurs. Des écailles-cœurs qui lui permettent d'apprendre des sets. C'était des attaques à l'appreneur d'attaque parce qu'il les échange contre des écailles-cœurs. Bravo. Donc vous en chopez plein et vous apprenez des techniques aux Pokémon comme ça. Mais en vrai, tu t'enjailles de ouf sur ce jeu, mais ça va en fait. Non, mais en fait, je m'enjaille pas de ouf, genre. Je m'enjaille sur le fait que je connais bien le jeu de base. Du coup, je peux me permettre de pas trop regarder et de sortir des trucs dessus, tu vois. En fait, ce jeu, mec, c'était un des jeux que j'avais le plus joué. Genre 300 heures dessus. Alors 300 heures, en fait, quand on y pense, c'est pas incroyable. Et quand j'étais gosse, mec, 300 heures, c'était toute ma vie, tu vois. Alors, j'avais vraiment spammé le jeu, mec. Ce sera dans le quiz. Dans quel quiz? Bah, secret, c'est sous la piste s'il l'a bien, tu sais. J'ai pas été souvent sur la piste cyclable, donc je peux pas te dire. Oh ouais, attendez, pour que vous sachiez, au nord il y a un désert, on peut pas y accéder parce qu'il nous faut les lunettes, voilà. Il faut des lunettes pour éviter que le sabre rentre dans nos petits yeux et nous fasse un petit peu mal. Oh là là, putain, quel fragile ce dresseur. Du coup, on va partir à gauche. Sur la piste cyclable, le sapin. Ouais, alors il y a un sapin sur la piste cyclable, il y a une base secrète, mais je vois pas, je crois que c'est une des plus grandes, non? On sait rien. J'ai pas trop regardé sur cet endroit-là. Oupio. Oh, électrique, il risque de me niquer ma race. C'est une attaque électrique. Ah, mais attends, ça va être infâme, je change de Pokémon. Y'a que lui. C'est vrai qu'il se fait masse d'une à niquer d'autres soeurs pour foutu d'acheter des lunettes. Bah oui. Mec trop fort quoi. Ah mais il est chiant ce Pokémon. Je sais pas s'il va me rendre confus peut-être. Ah bah je suis déjà confus, c'est bien ça. En fait il prend rien genre. Il prend pas grand chose. Mec il veut ma mort. Fucking world mate. Mec, il veut ma mort, quoi, c'est chaud. Il veut me tuer. Alors, par contre, le fond vert, je vois comment ça allait. Comment l'éclairer, alors. L'éclairer, j'ai peut-être une solution un peu MacGyver. Ça risque de passer. Je pense un jour, je ferai une vidéo où je montre comment je setup mon stream en entier, genre je monte mon PC, je monte... Alors là, il y a le chat, il y a le machin et tout, je pense que ce serait bien, genre, pour montrer aux gens qui veulent commencer. Parce qu'il faut savoir que j'ai regardé comme un porc comment on fait pour streamer et tout. Je vais aller soigner mon Pokémon quand même, parce que... Quoique non, plus on s'en fout, on change de place. J'ai perdu le porc devant, mon gars. Genre comment je branche mes trucs, comment ça marche ça, pourquoi faire ça, etc. Parce que j'ai vu plein de vidéos qui expliquaient. Alors pour c'était, il y a Maxildan qui explique bien, donc streamer chez Eclipsia. Qui montre leur setup PC en fait, et où tu peux comprendre facilement. Spazi qui avait fait une vidéo, il montrait son PC. C'est vrai que je retrouve, mais il y a plein de gens qui expliquent pourquoi ils font tel ou tel truc. C'est cool, hein. Parce qu'on apprend plus, t'es pas obligé de chercher comme un connard pendant des années. Le téléphone qui me fait un peu rire. Je peux même voir.
Oui. Alors maintenant on va lancer un petit débat. On va changer. Petit débat. En fait, il y a que des gens qui utilisent Discord et du coup c'est chiant, genre. Enfin que je connais du coup, enfin que je parle tous les jours avec du coup. Enfin, en gros, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez vraiment de Discord à fond quoi. Le changement c'est maintenant. Et oui, bonjour, oui personne. Oui, oui personne, je suis belge. Je reviens un peu. Il n'y a que les mêmes noms en fait. Il y a 3. Attendez, j'ai pas fait le compte. 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 personnes qui ont des pseudos, il y en a 3 que je ne connais pas. Mais bonjour à vous 3. Vous 3 êtres uniques qui n'ont pas de nom. Alors peut-être que vous n'avez pas fini la création de personnages IRL. Régis, bon, plein de triathlons, on s'en bat les couilles frère. Tu te téléphones pas en triathlon mec, genre tu vas te... Salut. Non arrête, les viewers de l'ombre, voilà, les viewers de l'ombre, les fameux. En tout cas c'est cool d'avoir des gens. Genre vous 3, parce que voilà. Des viewers de l'ombre, c'est cool, j'adore les viewers de l'ombre. Les gens me sont endurcis à fouler le sol rocheux des montagnes. Craque-noi le fameux... Bon, en fait, il fait chier Berdouille de pas avoir d'attaque de type O en fait. Casse tes couilles. Please God no, invisible viewers. Viewer invisible... T'as qui botte déjà, mais non, mais mec, je botterai. Alors, déjà, si je botterai, je ferai un nouveau compte pour tester. Et je botterai vraiment, je me ferai 1000 viewers. Je mettrai un bot avec 4000 viewers pour un truc pas trop spoté, tu sais. Putain, mec, 4000 viewers, il stream comme une merde, tu vois. Bon, trop chelou. Putain, j'ai de ça. Non mais le vieux bot c'est pas drôle. En fait genre le vieux bot au début ça peut être une bonne chose genre en mode le mec a des... Tu sais genre ce que penserait un mec qui se bat sur Twitch c'est oh y'a un mec qui a des viewers je vais voir tu vois. Et comme ça... Attends on va bosser chez Glypsy et me te guidons sur les viewers bot. Pas des bâtards. Ça clash quand même pas mal donc je regarde mon téléphone hein. C'est pas très poli mais on voit des trucs assez importants quand même. Ok. L'ancien prof d'électronique qui nous souhaite une bonne année, voilà. Alors que moi je rentre chez moi, je pleure. Et quoi, c'est dur, voilà. Happy New Over 3 dans le chat. Ouais, là, ce serait exactement ça, genre. On a un truc pas trop chelou. 3 dans le chat, dont moi. Attendez les nudes. Les nudes de mon prof. Prof que je voulais revoir parce qu'il était quand même très gentil. Juste leur répondre, dire que je stream et que du coup faut... Voilà, je répondrai pas. Je stream MDR. Le combat. Combat intense. J'espère que vous l'entendez bien ma touche. Salut Thomas, c'est Guillaume. Sur le point de capture un Maril, c'est rageant, j'étais à deux doigts d'y arriver. Bon, ça m'a gâché la journée. Allez, à plus. On s'en bat la race de ce qu'ils disent, c'est incroyable. Non, j'ai pas choisi de Pokémon, casse les couilles. Ah, les Pokémon chiants. Son Pokémon est bon. Je crois qu'en plus, il m'a déjà fait, en fait, ça. Il me demande le lien, mais non, mais... Twitter... Allez, mange-le alors. Ah, il a la trouille, yes. Allez, on le mange, voilà, fini. On a de level. Oh, yes. Oh, bah, lui qui vient sur le terrain en mode tug, je roule et tout. Oh, mais il roule, et ensuite il fait comme ça en mode truck away et tout, ça me débecte. Du coup, je suis content parce que là, j'ai un bon stream. Mais cool avec moi, je joue un jeu qui fait plaisir quand même. Parce qu'en fait, t'as l'impression que je peux me faire chier. Je m'en fous de toi. De Montagnard. Un jeu qui
que même si j'avais l'impression que je me fais chier, je mangerais quand même un peu de suite. Ah oui, ils font chier bloc, ils font un blocus devant le truc. Et en plus, truc de malade. Je vais voir un de mes potos juste après. Un bon poteau. Qui m'a donné de l'argent. Et d'autres potos qui m'ont donné de l'argent. Enfin, c'est une soirée de malade. Et en plus, j'ai une journée trop bien. Oh, un journée de malade. Bon, arrête, t'es du robot, là, on est à 10, c'est abusé. Ah, salut les 10 personnes. Il y a donc les 5 personnes qui ne sont pas. Qui n'ont pas de pseudo. C'est cool, restez les gars, vous êtes sympas. On va pouvoir dans mon sac à dos. Bah, donc je demande à des gens de rester sur mon stream et je fais trompette. Ça montre à quel point j'en ai quelque chose à faire. Là. Ah, le feu est vraiment bien. Hein. Perdu, il n'y a pas d'attaque. Oh, il fait chier. Bon, j'ai quand même soigné mes Pokémon. Juste avant d'entrer dans la grotte. En tout cas, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a deux sbires de la Team Magma qui font un blocus devant le télésiège. Téléphérique. Ouais, pour aller dans la montagne. En gros, il fallait prendre la route, la seule route qui nous est encore dispo, c'est-à-dire la grotte. Et du coup, on est dans la grotte. Oh. Ok, mais fallait le dire tout de suite qu'il faisait autant mal. Prends la boîte de mon sac. Oh, prends le truc qui est dans ma poche. Mais c'est pas un chien. Non, c'est... Sergent Labitte, on se connaît. Salut Sergent Labitte, alors c'est ça de mes poches, je te reconnais pas. Ou alors je t'ai oublié, enfin j'ai oublié ton pseudo. Enfin, j'ai oublié que tu utilisais ce pseudo. En tout cas, salut, c'est cool. C'est un beau fan. Le fameux pote, allez, à plus. Yes. Trop bien. À moins que ce soit les fruits de la pub de Shamiga sur les forums jeuxvideo.com. Et ça ce serait le community manager de malade Shamikaze. Shamikaze, mais sur ta description sur Twitter tu mets community manager de ma chaîne Twitch. Ah, ça serait trop drôle. Mazjouver. Et oui. En fait c'est quand ta future vidéo. Ma future parodie de What the Code, lol. Jamais. Non, je sais pas. Si vous parlez de la review panel, je ne sais pas. Je sais vraiment pas, genre. Que dalle. Sinon, mes prochaines VOD, ben, que je jouerai. Alors. Ah, mais ouais, mais j'enregistre pas sur mon PC là. En gros, j'ai une collection de malades. Genre. Je peux enregistrer les VOD sur mon PC. Pendant la pause, je les envoie. Et j'ai même pas le temps d'écrire le titre qu'elles sont envoyées. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est la fibre. Je mens vraiment pas sur ça. Genre les VOD de Seiken d'il y a deux semaines, je les ai envoyées, je tapais le titre, elle s'est envoyée avant que je tape le titre. Et ça c'était beau. Et c'était une heure de vidéo mon gars, c'était waouh. J'ai fait la fibre optique, c'est trop bien, je retourne chez mes parents. Voilà, donc si vous voulez la fibre, tu m'expliquais ton jeu. Pokémon Emerald mon gars. Je suis sûr que c'est un de mes potes qui me troll, mais bon c'est pas grave. Quand je réponds, je suis gentil. Pokémon Emerald, tout le monde connaît Pokémon, voilà. C'est une telle base. Ah, c'est bon. Moi, c'est avec ma Poppy, j'ai ult, j'ai pas vu, j'ai pas compris. Quoi? Pas trop en couille là, je comprends plus. Vous êtes trop deep pour moi, les gars. Tout écrit en mode bordel et tout. Le fameux pote. N'oubliez pas les amis, vous devez combattre la calvitie en donnant de la thune. Sinon je ressemblerai alors j'ai un peu trop de barbe, mais au mec qui fait un peu de la mettre dans une série un peu connue du coup. Voilà. On va éviter que je deal de la drogue, hein. C'est pas très gentil de deal de la drogue, c'est pas très sympa. Voilà. Juste enlever le feu, j'ai pas envie de retourner dans son Pokémon. Est-ce que j'ai un anti-feu? Genre, est-ce que quelqu'un m'a donné un anti-feu? Un anti-feu, ouais. Bravo. Oh non, j'en ai pas. De l'huile, non? Oui, sur le feu, là. Attendez, est-ce que les baies. Est-ce qu'il y a une baie qui peut m'enlever le feu? Oh, ce serait trop bien. Les pêcha, ok. Est-ce qu'il y a une de ces deux espèces de baies qui peut empêcher le feu?
Oh yeah! Ça, ça claque! Du coup, on va sur le petit combat double. Professeur adorable, tu es, battons-nous de façon courtoise, je t'en prie. Ça me semble bizarre que c'était une meuf. Tu vas ressembler à Auguste, tu sais, le champion ennemi. Ah ouais! Il faudrait juste une veste de. Une chemise de chimiste, ce serait trop bien. Moi, je ferais des déflagrations tout le temps. Dis-moi, Taquet, que penses-tu de l'incurvation que prend League of Legends récemment? Arrives-tu à toujours t'entager? Alors, ça dépend des jours, tout simplement. Mais j'aime bien LoL en général, tous les changements qu'ils font, j'aime bien. Vraiment. Ta mère, j'ai mignon, on a des petits pots. Alors, j'arrive à m'enjailler sur ce que j'imagine pouvoir faire dans le jeu. Sinon, quand je suis en jeu, vu que je peux la merde, en fait, ben, je rage quand je perds, et je perds très souvent, et du coup, je rage très souvent. Bravo. Je mangeais sur, je me dis, putain, le jeu d'équipe, ça fait un truc de malade si on joue full équipe à fond de malade, tu vois. Avec les nouveaux changements, genre l'ADC, tu le protèges et tout, t'as le Rift Herald, le héros de la faille et tout, qui a un objectif trop cool et tout. Je pense jouer de façon clean, tu vois, genre pas en mode gros dégueulasse, on joue à 5, on joue ce qu'on veut dans notre coin, machin. Mais vraiment en mode... tu t'y mets à fond, quoi, je pense. Je mangerai comme un ouf. Mais vraiment. Mais bon, j'ai pas le niveau pour, je pense. J'ai perdu énormément de niveau. Je me plains d'être Silver 5, alors qu'avant j'étais Gold et tout, mais... C'est vrai que déjà, les gens en Silver sont meilleurs qu'avant, vraiment. Je le pense. Ils farment mieux qu'avant, déjà. Et je pense que j'ai quand même perdu par... Putain, t'es électrique. Le top picker, par contre, je vais le détruire. Et du coup, en plus, j'ai perdu énormément de niveau, genre je joue plus la merde et tout, et du coup, c'est chiant. Et du coup, je suis un peu triste. Si un jour on stream du LoL, il faudrait que je trouve un truc intéressant, parce que voir un mec qui est pas fort, pas ouf. Si le niveau l'a trop monté, ouais. Que je me fasse PL et tout, c'est chiant. Non, il est pas trop monté, mais genre les gens en Silver sont plus forts qu'avant, genre. J'arrive pas à te le dire. Bon, vraiment, il puait vraiment la merde, mais vraiment de malade, tu vois. Enfin, en bas Silver. Là, il farme mieux et tout, c'est cool. J'ai de plus en plus de gens, genre bas Silver, low Silver et tout, qui concentrent farm à 15 minutes et tout, du coup. Je me dis que le niveau peut-être monter et tout. Par contre, en bronze, c'est vraiment des trash et tout. Les animaux sont moins sauvages. Il y a moins de hautes herbes et tout, c'est pour ça. Ah, putain, le poison. Le poison. Oh, il y a le désert en bas aussi. Top dresseur, salut. Alors lui, je crois, il a Alex Sprint de base dans le jeu. Parce que j'arrive à retenir des dresseurs et tout. Après, il a un Nidoran femelle. Il se tape une pose chelou, n'empêche, dans le jeu. Et les sprites, ils sont pas fous, hein, dans le jeu. En tout tourné comme ça. Une dorée un peu spéciale. Oh le lourd. Oh. Ouais, j'aimerais avoir une attaque d'eau là avec un perdouille, ce serait bien. C'est sympa quand même. La grandie, le perdu test. Salut Perdouille, ça va tranquillement. On a eu beaucoup de cours aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Le Perdouille, le fameux mec, t'es devenu trop fort. Donc voilà mon ami Perdouille qui est très fort sur Counter Trick S Global Offense. Offensive. Et voilà, il est très gentil. Merde, j'ai pas le bon contexte. Le vieux fail. C'est pas grave, t'inquiète. Et voilà, et qui stream des fois du CS en test. J'espère qu'un jour tu pourras stream de manière constante. Enfin, si tu le souhaites, genre si tu veux faire un bon stream et tout, et que t'as envie de le faire de manière constante, j'aimerais trop que tu puisses le faire, tu vois. En plus, tu peux le faire, t'as une meilleure connexion que la mienne, alors que déjà la mienne, tu vois, ça c'est un mur, tu vois, c'est ton FAI. Moi, il fait comme ça, allez, tu vois, genre une connexion de malade, tu vois.
Arrête, du coup, t'inquiète, c'est prévu, voilà. Du coup, t'arrêtes de faire des streams de test et tu te lances. Et tu parles et tu deviens intéressant et tu fais des trucs rigolos, mais je pense pas que Counter-Strike aussi soit beaucoup... Enfin... Toi, t'as du bon niveau. Ploplairé. Salut, Antéridi. Antéridi, je sais pas comment ça se prononce. Bienvenue, putain, poison. Bienvenue sur mon stream de Pokémon, voilà. C'est la meilleure description que tu n'as jamais entendue. En tout cas, ça fait plaisir qu'il y ait de plus en plus de... Alors, j'ai pas le compteur de viewers. Je sais pas combien on est. Quelqu'un peut me le dire, c'est cool. Au contraire de toi, en fait, Rect, je déconne comme toi. Ah, il va me prendre pour les bases secrètes. Voilà. Donc, parle-nous de toi, Antéridi. Hein. S'en fout de moi, je sais rien. Ici, c'est tranquille. 8, 2... Ah, yes. Et mon bateau, je pense que t'as raison. 2, 7. Le carnet est vite passé, cool. Allez. Coup, 8 viewers, c'est cool. C'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Alors, les 57... Ah, il y a un truc pour se reposer. Du coup, ce que je vais faire... Attends, je vais faire 2-3 combats, je vais me reposer, je vais lancer la pub. Oh yes, une baie frambie, oh yes. Oh, c'est tout ce qui me manquait, une petite baie comme ça dans mon grand voyage. On est 10, yes. Petit combat. Top dresseuse aussi, je crois. On va faire ce combat. Ensuite, je vais lancer la petite pub. Histoire de boire de l'eau. Parce que j'ai soif, en fait, parce qu'on parle beaucoup. Le mec, il l'a dit, il lance la pub. Non, mais c'est une pause, la pub, je l'ai pas encore. Togepi, ça, c'est... On l'a pas vu, je crois. C'est le vieux qui tient l'auberge. Eh oui. Voilà, Shadikaz lui aussi il connaît le jeu par cœur. Lui aussi il est à fond dedans, tu vois. Ça c'est cool. Ça c'est cool, ça on aime bien ça. Ah. Et du coup. J'aimerais bien vous. Ah, mais là vous donnez envie de. Lui faire du Pokémon Evolution Online, Révolution Online et tout. Tu vas piocher où ton Carabaf? Alors, salut Apollo Christ. Alors, en fait, mon Carabaf c'est mon starter parce qu'en fait. Au tout début de l'aventure, enfin. Même avant l'aventure, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'expliquais que ce serait une version Pokémon en mode random et que les gens pouvaient m'envoyer des listes de starters en fait qui m'envoyaient. Donc, pourquoi le seul bouton quand je serai extrêmement connu? Le mec il tient encore les encarts pubs alors qu'il n'y a pas encore la pub. Non, c'est juste la pause pour que j'aille boire un truc. Mais en gros, les gens pouvaient envoyer des listes de starters et je pouvais choisir entre 3 starters. Il y avait Carabaf et. Carabas, il y avait Carapus et j'ai pris Carapus. Voilà. En fait, j'ai modifié un peu la ROM pour que tous les Pokémon soient un peu random et du coup soient rigolos. Pour pas que je m'ennuie en fait. Voilà. Même si le plus important en fait, c'est que je parle avec vous pendant que je joue. J'aime bien m'entraîner à ça en fait. Voilà. Si t'as d'autres questions, tu peux les poser, mon gars, t'inquiète pas. Genre comment je m'appelle, la taille de mon énorme doigt. C'est marrant ce que t'arrives. Je vais lancer la pub. Du coup, voilà. C'est pas. Alors, la pub, je sais pas combien de temps elle dure, peut-être un peu moins de 5 minutes, je sais pas. On verra bien. Hein. Après, ça fait plaisir, parle-en à tes potes. Hein. À tous tes potes. Tes profs, tes potes. Amène tout le monde que tu peux, mec. Ah, mon rival, Flobio, le fameux. Tu fais quoi de beau dans la vie, dans la life? Comment faisais pour nourrir une famille? Merci à Apollo Chris justement qui suit cette chaîne, c'est sympa. Voilà, tu peux voir qu'il y a des petites annonces et tout, et que je me suis fait... 35? Non, je me suis fait... 34 euros aujourd'hui, parce que tous les potos ils m'envoient de l'argent parce qu'ils sont gentils. Et même si vous m'envoyez de l'argent, vous êtes gentils, mais ils sont quand même vraiment gentils, genre voilà. Et en fait, quand t'envoies un don, en fait, ça empêche mes cheveux de tomber parce que mes cheveux commencent à tomber et tout. Ça dépend le gabarit du poulet. Je fais quoi de bon dans la live? Je fais un BTS en informatique. Voilà. Voilà, merci à toi Antéridi qui suit cette chaîne, voilà, donc voilà, ce sera bien sûr retenu, comme ça, quand j'écrirai mes mémoires, je me suis dit, ah, le fameux Antéridi et tout, enfin, quand j'écrirai mes mémoires, je serai plus en mode, oh, le fameux Antéridi, celui qui s'est abonné à ma chaîne,
Je me rappelle quand je streamais, que j'avais 3000 viewers et tout, voilà. Donc du coup, c'est cool. En fait, j'ai ce que vous appelez, j'ai des loupes, j'ai mets presque jamais. Voilà, donc, on va aller se soigner. On va aller se soigner et on va lancer la pub. Enfin, la pub. J'appelle ça la pub, mais c'est la pause. C'est quoi cette vitre ronde? Qui c'est qui a des vitres rondes chez soi, les gars? C'est plus la merde, ça. Mettez jamais de vitre ronde chez vous. T'as qu'est-ce une vitre pour changer chaque fois? Ah, après, j'en ai plein qui coulent et tout. Alors, on va se soigner. C'est chaud, tu vois, j'ai des petites vieilles et tout pour te reposer. Je ne connais pas. Non, mais c'est chiant. Je peux pas faire 3000 sièges dans la journée non plus. Non, mais calme-toi. On va sauvegarder. Oui. Et je vais lancer la pub, les copains. Je vous dis. Ah, dans 5 minutes, hein, je vais boire un verre d'eau. Plot twist, il n'y a pas de lit dans l'auberge. Taquet, Laurent. Eh oui. Voilà. Donc, moi, je lance la petite pause et je reviens. À tout à l'heure, les copains. Allez. Mmh.